Comment préparer son sujet du grand oral de maths consacré à la bourse avec ChatGPT? ChatGPT, c'est pas très marrant, je préfère dire ChatGPT. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer comment avoir des idées pour votre grand oral de maths pour le bac quand vous voulez parler de la bourse. Donc si vous avez un petit intérêt pour la bourse, eh bien c'est l'occasion de faire des maths à propos de la bourse. Alors voilà comment on peut faire. Je ne vais pas le faire en direct parce que ChatGPT répond un peu lentement. Je vous ai préparé un fichier Google Doc que je mettrai dans la description. Je mettrai le lien vers ce fichier dans la description de cette vidéo. Et donc, vous aurez tous les échanges. Donc, je lui ai posé la question en tant qu'expert en maths au bac français, donne-moi 20 idées de sujets pour le grand oral de maths du bac en lien avec la bourse. Donc, il m'a donné 20 idées. Elles ne sont pas toutes parfaites et j'ai sélectionné explication des mécanismes de la fluctuation des prix des actions. Le sujet 7, étude sur les différents indicateurs utilisés pour évaluer la performance des actions. Ça, vous pouvez trouver un dossier assez complet dans mes articles et des vidéos précédents sur le grand oral et la bourse. Je vous ai fait pas mal de contenu là-dessus. Donc, on va prendre explication des mécanismes à fluctuation des prix des actions. Donc, ensuite, je lui ai posé la question, donne-moi le plan d'un sujet de mathématiques niveau terminal sur explication des mécanismes de la fluctuation des prix des actions. Alors, il a sorti un plan. Avec l'introduction, définition de la bourse et des actions, importance de comprendre le mécanisme de fluctuation des prix des actions, objectif de l'exposé. Je vous laisse compléter, soit à la main, soit avec ChatGPT. Les facteurs affectant la demande et l'offre d'actions, l'économie, les résultats des entreprises, donc ça me semble évident. Les politiques gouvernementales, les taux d'intérêt et perspectives économiques à long terme. Je me suis concentré sur B et C, les politiques gouvernementales et les taux d'intérêt. Ensuite, l'analyse technique, ben ça. Je l'ai déjà fait dans mes posts précédents, donc vous y référerez. Et l'analyse fondamentale, c'est un sujet que je n'aborderai pas. Voilà, après la conclusion, etc. Et il ajoute toujours une petite remarque que, il faut compléter en fonction des connaissances, gnagnagna. Alors ensuite, je lui ai demandé, explique-moi comment les politiques gouvernementales peuvent influer sur les fluctuations des prix des actions cotées en bourse. Bon, j'ai mal tapé bourse, il a compris quand même. Alors voilà, il explique que les impôts et les dépenses publiques peuvent influencer les prix, les taux d'intérêt, ça on va y revenir, la réglementation, les événements politiques, etc. Sa petite remarque de fin. Je lui ai demandé, donne-moi les formules mathématiques qui montrent l'influence des taux d'intérêt sur le cours des actions. Or, il commence souvent par dire, il n'existe pas de formule générale, blablabla. Cependant, il rajoute très souvent cependant. Certaines théories économiques peuvent fournir une base pour comprendre cette relation. Donc il y a la théorie du taux d'actualisation et il y a la théorie de la demande et de l'offre. Donc on va développer ça. Donc je lui demande de donner une formule pour calculer le prix théorique d'une action selon la théorie du taux d'actualisation. Donc il me sort la formule. Alors pour bien comprendre cette formule, là on fait la somme de tout ça avec t qui varie. CF, c'est le cash flow avec un indice T. Donc il y a de 1 à n cash flow. Et on fait la somme de ça divisé par ça avec T qui varie de 1 à n. Voilà, donc il explique à quoi correspondent les symboles et il explique la formule en français. Ensuite, j'ai demandé de donner une formule pour calculer le prix théorique d'une action selon la théorie de l'offre et de la demande. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme formule. Je vous le laisse découvrir. Ensuite, je lui demande d'expliquer de façon simple la notion d'actualisation avec les taux d'intérêt. Donc ça, c'est une notion très importante en finance et pour évaluer le prix des actions, vous pouvez faire votre sujet sur ça. Voilà, donc il explique que la valeur actuelle, c'est le flux futur divisé par le taux d'intérêt, enfin 1 plus le taux d'intérêt divisé par 100, donc là c'est 5%, le tout à la puissance du nombre d'années qui nous séparent de ce flux. Donc là, c'est dans 10 ans. Donc on divise par 1 plus 0,05, le tout à la puissance 10. 1,05 à la puissance 10. Ensuite, je lui demande d'expliquer de manière simple la notion de valeur actuarielle nette, qui correspond à la même chose, mais pour une suite de flux financiers futurs. Donc c'est la même chose, c'est la somme en fait. C'est la même formule. C'est pour une suite de flux futurs. Alors, il précise que ce sont des paiements, mais en fait, ça peut être des débits également. Ça peut être positif ou négatif. Alors ensuite, je lui demande de prendre en compte les dividendes. Et donc, il sort la formule, c'est le dividende
divisé par R moins G. Et il explique que R est le taux d'actualisation et G est le taux de croissance des dividendes. Ensuite, explique quel est le lien entre les cash flows utilisés dans la formule d'actualisation et D1. Donc il explique que le dividende est un cash flow par rapport à l'actionnaire. Donc T1 est en fait le cash flow futur pour l'actionnaire, et donc il fait le lien entre les deux. Ensuite, j'ai cherché un petit peu à part, bon j'aurais pu lui demander, mais j'ai cherché un petit peu à part et j'ai trouvé qu'il y avait un modèle de Gordon, donc j'ai demandé d'expliquer le modèle de Gordon. En fait, on retrouve la même chose, cette formule-là. Ensuite, je lui ai demandé d'expliquer le modèle de Molodowski. Il m'a expliqué le modèle. Je lui demande la formule et on retombe encore sur la même formule. Ça, c'est la somme des cash flows qu'il a développée. Donc, vous avez un exemple développé sans le symbole sigma. Ensuite, moi, je passe un peu à un autre sujet. Je passe au ratio pour évaluer les performances d'un portefeuille d'actifs financiers. Et là, il me sort quelque chose d'assez complet avec le ratio de Sharpe. Donne la formule chaque fois, le ratio d'information, le ratio de Trainor, le ratio de Jensen, de Sortino. Et déjà là, il y a pas mal de choses pour votre sujet de grand oral. Ensuite, dans les explications, il parlait de sensibilité du portefeuille au marché, donc je lui demande de m'expliquer ce que c'est. Il me donne la formule, donc c'est le coefficient de corrélation de Pearson. Donc il donne la formule, la racine ici, elle porte sur tout ça. En fait, c'est un calcul de variance et covariance. On va le voir avec le coefficient bêta plus loin. Voilà, donc il y a de quoi faire des mathématiques. Alors bien sûr, vous donnerez des exemples chiffrés. Je lui demande un exemple de calcul du ratio de Sharpe, mais bon, là, il botte un peu en touche. Je voulais quelque chose de plus détaillé. Il me donne juste avec... il a remplacé ses valeurs par des valeurs numériques. J'aurais préféré qu'il me donne une liste d'actions, etc. Mais bon. Alors, il faudrait lui demander de donner un exemple, il faudrait creuser un peu plus, lui demander une liste d'exemples avec telle et telle action, etc. Bon, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Ensuite, je lui demande d'expliquer le bêta d'un portefeuille. Donc, covariance sur variance, c'est à rapprocher de cette formule. Voilà, donc ça c'est le bêta, c'est très très connu, donc vous pouvez l'utiliser. Ensuite, il y a l'alpha. Pareil, il donne la formule. Et je voulais aussi parler de la notion de duration d'une obligation. Je lui demande d'abord d'expliquer ce que c'est qu'une obligation, sa duration et en donner la formule. Donc, il explique ce qu'est une obligation et il a traduit duration par durée. Donc, c'est les paiements des intérêts de l'année pondéré par l'année, voilà, donc c'est cette formule-là. Donc c'est les paiements d'intérêt pondérés par le nombre d'années restant avant le remboursement. En fait, c'est une sorte de barycentre des paiements. Et voilà, donc je n'ai pas continué, mais charge à vous de continuer. Mais ça fait déjà pas mal d'éléments. Ce qu'il vous reste à faire, c'est creuser peut-être un peu plus les sujets si vous n'avez pas compris. Donc vous pouvez utiliser ChatGPT pour lui poser des questions et qu'il vous donne des explications. Et vous pouvez aussi construire des exemples chiffrés, des exemples numériques, et vous pouvez aussi demander à ChatGPT, par exemple on peut le faire là, donne-moi un exemple numérique de calcul de bêta avec trois actions dans un portefeuille. On va voir ce qu'il répond. Donc là, il détaille pas mal. En même temps, il vous donne les éléments nécessaires au calcul. Donc ça, c'est pas la peine d'inventer d'autres choses comme le prix des actions, etc. Voilà. Donc il a donné le bêta du portefeuille, mais il n'a pas dit comment on pouvait calculer le bêta de chaque action. Donc je vais lui demander, donne un exemple de calcul, un exemple numérique. De calcul du bêta de l'action A.
Voilà, donc il vous indique qu'il faut le rendement annuel de l'action et du marché et la volatilité de chaque. Voilà, donc il nous a donné un exemple numérique et il faut que vous fassiez ça sur chaque partie, chaque chapitre de votre sujet de grand oral, maths consacré à la bourse. Voilà, donc je copie ce texte, je le mets dans ce document et je mets le lien en lecture seule de ce document dans la description de la vidéo. Vous pouvez le récupérer et en faire une copie. Vous faites fichier, créer une copie. Comme ça, vous pourrez le modifier et ajouter vos propres éléments. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.